Salut, c'est F4. Et c'est qui? Moi, c'est Review. Voici Sympho. D'accord, merci Symphony. on va commenter le deuxième match du deuxième tour de la Coupe du Psychopathe. C'est donc ma team, les Knights ou ses noms, moi et Mori, Zobal et Nu, contre Arecha et Acidust, les patrons, donc Sadi et Ossa. Alors, déjà, premier point commun des deux teams, elles ont rencontré au premier tour la même compo, Fram et Yop. Donc, du côté de Détis, c'était la team de JZ, et de l'autre, c'était la team de Prototaxi Ténard. Voilà. Ils en sont sortis avec succès. Ouais, eux avec un petit peu plus de facilité que nous, sans doute. Parce que même s'ils ont réussi à se faire bloquer leur Sadi dès le premier tour, ils ont battu Fram Yop sans difficulté, avec rien que du Spam Invoke. Évidemment, le Spam Invoke, il n'y a que ça qu'ils peuvent faire avec une team Ossa Sadi, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc nous, on a décidé de rush l'Ossa, parce que c'est la meilleure solution pour s'en sortir. Donc dès le premier tour, on s'applique à foncer sur lui et à lui mettre la pression. On remarquera un petit détail, les boucliers fiscaux sur la team EF permettent de réduire les dégâts neutres et donc d'encaisser mieux les morsures des gouffes-tout. Dégâts neutres et feu, ouais, exact. C'était un investissement raisonnable hein, et surtout très utile. On voit que les invocations durent vraiment pas longtemps grâce à la désinvocation de Lenny Frost. Donc ils vont avoir du mal à perdurer leurs invoques importantes. On a stuffé Mori avec un stuff bourré d'agi et de pourcent dommage pour qu'il puisse taper fort à la désinvo. Ça a plutôt bien marché. On a vu que là, la surfuit, évidemment, avec ses faiblesses R, elle n'a pas résisté. Et Mori one-shot presque un crackler aussi. Il one-shot les bouffe-tout. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, logique, hein, pour se détacter les bouffe-tout, une petite fougue. Et puis un rush de l'ossard en perspective, lentement mais sûrement. Voilà, tous les tours je me recolle à lui, je fais un maximum de dommages. En gros, le Sadi va essayer de me dégager de l'ossa, puisque l'ossa pourra pas l'iver, il l'a déjà fait. Tu lui mets la pression quoi. Pression sur l'ossa. Mais le problème c'est qu'ils font quand même assez peu de dégâts à la team de Zeti, d'autant plus qu'il y a les boucliers. Si ce n'est aucun dégât, pour l'instant, dans la team, il n'y a que le bouffe-tout qui tape. Hein. Et encore, sur les boucliers. Donc là, Mori place un beau, une belle maladresse de masse, plus une massa à presque 200 sur l'ossa. Donc on continue le focus, ça marche plutôt bien, moins 2 PA grâce à la malade masse. Bon. Mais l'ossa va pouvoir s'enfuir un petit peu. Monzobal a une AP, donc il ne peut pas aller à son kayak facilement. Mais bon, j'ai quand même des facilités de déplacement, surtout que là je suis sous fougue, avec des sorts comme Bleach ou Furia, je peux m'approcher de l'Ossa. Ça continue, une petite Furia à 200. On a vu que Mori m'avait accès hein, dès le premier tour pour que je puisse me déplacer vraiment facilement et toujours être au calme de l'Ossa. On verra que c'est la stratégie constante du match de coller l'Ossa jusqu'à qu'il meure. Ouais. On verra si ça fonctionne. Ouais. Ben ou pas. Donc là, l'Ossa pourrait me guider s'il fouettait le bloqueuse et tout. Mais ce sera pas le cas puisqu'on l'a corrupt. Du coup, il passe son tour, ses invoques ne font rien. Et là, je vais pouvoir lui placer un gros lot de dommages dans la gueule avec Furia appui. Combo The Ball de référence. Et il s'est pris 400 plus 3. Plus de 700 là. Malgré ses résistes, notamment les résistères qu'il a bien opti. Il a genre 20% je crois, 20%. Le Sadi a monté l'IB, il m'éloigne. Il me met une bloqueuse et je suis plus sous fougue. Donc j'aurai du mal à me rapprocher de l'Ossa. Bloqueuse qui m'ont quand même bien gêné pendant le combat. C'est pas ça qui a changé l'issue du combat, hein, mais ça reste quand même casse-couille. Hein. Encore une masse à 200. Même si on a mis plein d'agis sur l'élu, il y a quand même un petit paquet de chance. Bon, il y a une dinde qui donne pas de chance, seulement de l'agis. Mais bon, c'était un bon compromis, je trouve. Là, l'Ossa donc, s'éloigne du Zobal. Il met un bouffe-tout
sur l'ennemi, mais ils ne s'éloignent pas trop. Du coup, moi, je vais pouvoir leur coller, là, grâce à des sorts de déplacement comme Guerrier. Hop, je le recolle. Et là, bah, on a en tête de placer retraite. La... Voilà. On la retraite. On s'en doutait aussi, quand on regardait le match, ça puait la retraite, et il ne pouvait pas faire grand-chose. En plus, c'était derrière la relance, Furia, enfin, la relance surtout d'appui. Oui. Donc là, il peut plus faire grand-chose. Il peut faire autant d'invoques qu'il veut. À part le moins PA, qui est casse-couille, de la folle, par exemple. Un petit CC des invos à 461 sur le crack, qui ne le finit pas, donc on place la retraite. Mais Lossa finit son propre crack avec une libé. Lossa, pour s'en sortir, il aurait fallu qu'il fasse libé plus bouffetou, qui vienne se coller à Monzobal. Il n'a pas leur lance de bouffetou, donc il ne peut pas faire une invoque vraiment gênante. Bon, il fait un sanglier, il meurt, ouais. Je nique une furia sur lui, mais je peux quand même placer un petit combo sur Lossa, il lui reste même pas sans HP. Là, le Sadi, il n'y a aucune solution. Il pourrait placer l'Ossa en arbre. Hein. Il faudrait qu'il se débuffe et qu'il aille dans sa ligne, le passe en arbre. Mais bon. Quand bien même, ça ne changerait pas l'issue du combat, tu pourrais le tuer avec des dommages de poussée, par exemple. C'est vrai. Oui, et puis les nus, des infos très. Aussi, oui. Du coup, les nus, aucune difficulté à se débarrasser du bouffetou et à tuer l'Ossa. Donc là, c'est terminé. Ils ont perdu leur Ossa. Ils nous ont pas fait de dommages, c'est le tour 7, on a vraiment rien subi. Et encore, on n'a pas joué safe, on n'a pas lancé plastron quand on pouvait, ni rien. C'était pas non plus la solution à adopter, puisque fallait tuer l'Ossa rapidement et efficacement. Un team faisant très peu de dommages au final. Bon, là c'est vraiment une fin de combat très chiante, parce que le Sadi essaye de résister alors qu'il ne peut strictement rien faire, puisqu'il ne tape pas du tout. Il n'y a aucune solution, donc là j'ai accéléré la vidéo, c'est du x4 ou du x6, je sais plus, ça va très vite, il n'y a rien d'intéressant. Et il n'aura même pas le trophée du Rage Quit. Non. Il aurait pu essayer de glaner quand même, donc il attendait la fin de la... Ah non, il ne bluffait pas, dit le solo monk. Le solo monk qu'on a récupéré sur, comment il s'appelait, Jason, à notre premier combat. Que j'ai équipé sur mon Zobal. J'ai overmaxé Vita, il donne plus de 300 là. C'est plutôt très bon. Je suis bien satisfait. On peut d'ailleurs noter que mon Zobal a 2500 HP max, ce qui est plus que le sacrieur de Calypse qui s'est fait éliminer au premier tour. On sent une petite pointe d'ironie dans le message de Maurice, quand même. Maurice, c'est marrant. Donne-moi à manger rapidement, sinon je dévore et après je peux plus lire. Ah, l'oublié ne sera pas coupé au montage. Désolé, Maurice, quand tu fais des fautes, tu dois les assumer. Hein. Là, la fin imminente du Sadida. Et voilà. On va terminer. C'était un peu un match à sens unique. Totalement. Évidemment, on leur a laissé aucune chance, on laissera aucune chance à nos deux prochains adversaires, et on gagnera la finale.